Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Mélina Fachin, Agnès Bonfillon. Bonjour Mélina. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Toujours aucune piste du tueur d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales. Le 7 juillet dernier, le corps de Priscilla était retrouvé dans le cimetière de la commune après un bal des pompiers. Cette jeune fille de 18 ans qui avait un léger handicap physique a été tuée de plusieurs coups de couteau. Un ADN masculin a été retrouvé mais il n'a toujours pas été identifié. L'enquête piétine et un appel à témoins a donc été lancé, Patrick Hisson. Sur les vitrines des commerces les plus fréquentés du village, une affiche avec la photo de Priscilla a été posée par les gendarmes. C'est le cas chez Yvette, boulangère à Estagel. Un appel à témoin, oui. Et on espère qu'il y aura des retombées. Hein. Ce client de la boulangerie était au courant de ce nouvel appel à témoins lancé par les enquêteurs. J'ai entendu qu'ils cherchaient des photos, des vidéos, du bal. Et chaque fois que je passe devant le cimetière, je pense à la fille. Là, je viens de passer juste. Et je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas des suspects, quoi. Un peu plus loin, sur le marché des Estagel, un mois après, ce drame est encore dans toutes les conversations. Tout le monde est secoué. Hein. On se méfie, quoi. C'est surtout pour les jeunes qu'on a peur. On voudrait savoir qui est l'auteur de ce crime. C'est une question qu'on n'arrête pas de se poser quand on se rencontre. Tony est conseiller municipal d'Estagel. Il faudrait que les gens se déclarent, quoi, s'ils ont bu quelque chose. Des vrais Estagelois, je pense pas. Après, je sais pas. À Estagel, un mois après, de nombreuses fleurs ont de nouveau été déposées devant le domicile des parents de Priscilla. Le reportage de Patrick Hisson à Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, pour RTL. À Nantes, hier, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans le calme en mémoire de Steve, ce jeune homme de 24 ans décédé après la soirée de la fête de la musique, une marche blanche qui se voulait pacifiste. Des débordements en revanche à Montpellier hier lors d'un défilé des Gilets jaunes. Une centaine de personnes ont aspergé de peinture la permanence du député En Marche Patrick Vignal. Et ces dernières semaines, une quinzaine de locaux de la majorité ont ainsi été dégradés un peu partout en France. Les maires en revanche ont la cote selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 83% des Français ont une bonne opinion d'eux, mais ils ne sont que 38% à apprécier les élus en général. Vous reconnaissez cette musique? Mais alors, Agnès? Pas du tout. Bah, enfin, c'est celle de Mario Kart. Ah, le jeu vidéo de Nintendo, vous savez, celui dans lequel on fait des courses de voitures. Oui. Et pour freiner ses adversaires, bien, on leur balance des objets sur la route, des pots de bananes, des bombes. Et bien, le week-end dernier, un automobiliste du sud de la France s'est un peu trop pris au jeu, visiblement. D'accord. Il faut dire qu'il était sous l'emprise d'alcool et de drogue. Il a été poursuivi par les gendarmes sur 130 km alors qu'il roulait comme un fou en direction de l'Espagne. Et pour ralentir les forces de l'ordre, eh bien, il leur jetait dessus tout le contenu de sa voiture, le capitaine Frédéric Calais de la sécurité routière de l'Hérault. C'était un véhicule qui effectuait des embardées jusqu'à toucher les glissières de sécurité. Il roulait à droite, à gauche. Il a fortement ralenti et puis il a repris sa route de plus belle à près de 170 km/h parfois en direction de l'Espagne. Donc le conducteur prenait dans son véhicule tout ce qui lui passait par la main, les cartes routières, du papier toilette, des couvertures, des bouteilles en verre qui jetaient par son toit ouvrant sur le véhicule des gendarmes. Et puis il a fini par perdre le contrôle, il a tapé le rail de sécurité, il est parti en tête à queue et il s'est immobilisé en fait sur l'autoroute à proximité du terre-plein central. Et c'est à ce moment-là qu'en fait mes gendarmes avec le renfort des gendarmes des Pyrénées-Orientales ont pu intercepter le conducteur, lui passer les menottes et le placer en garde à vue. Le capitaine Frédéric Calais, joint pour RTL par Julien Fautra. Alors évidemment, on rigole un peu, mais ça aurait pu être plus grave. Hein, et ce genre de comportement n'est surtout pas à reproduire. Ça roulera bien mieux sur les routes aujourd'hui. Hier, on a atteint un pic de 720 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Aujourd'hui, Bison Futé hisse le drapeau vert, sauf dans le quart sud-est où ce sera orange dans les deux sens. Allez, on marque une pause et on parle foot avec la Ligue 1 qui reprend ce week-end. Et déjà une défaite pour Marseille. RTL Matin. Si le pas... RTL 7h35, suite du journal. Mélina Fachin, Agnès Bonfillon. Et une défaite dès la première journée pour Marseille en Ligue 1. Et ce, malgré l'arrivée de son nouvel entraîneur, André Villas-Boas. L'OM s'est incliné 2-0 hier à domicile face à Reims. Le jeune attaquant Boulayedia a ouvert le score. Il a ensuite fait une passe décisive pour permettre à Suk Yoon-jun d'inscrire le deuxième but. David Guyon, l'entraîneur de Reims, est évidemment très satisfait.
une victoire méritée, un match maîtrisé surtout. Et puis on sait aussi qu'avec la chaleur, le rythme du match allait baisser, que des opportunités allaient se créer. Donc on a attendu notre heure, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on ouvre le score lors de ce match. Et puis c'est vrai qu'on a mis un très joli but, et puis sur la fin il y avait un petit peu plus d'espace. Après il y a ce tournant du match sur la minute, je crois que au moment où l'OM peut ouvrir le score avec ce poteau, sur leur seule occasion du match, nous derrière, on réussit à être efficace. Donc voilà, c'est une belle prestation pour ce premier match de cette première journée. David Guyon, le coach de Reims, au micro RTL d'Hugo Hamelin. Les autres résultats de cette première journée de Ligue 1, Brest et Toulouse ont fait match nul, 1 partout. Angers l'a emporté 3-1 face à Bordeaux. Montpellier s'est incliné 1-0 contre Rennes. Saint-Etienne l'a emporté 2-1 sur la pelouse de Dijon. 2-1 également pour Nice-Amiens. Et puis il y aura 3 matchs à suivre aujourd'hui. Lille-Nantes à 15h, Strasbourg-Metz à 17h. Et puis ce soir, le PSG reçoit Nîmes à 21h, les Parisiens qui joueront sans Neymar, à suivre en direct et en intégralité sur RTL dans Soir de Ligue 1 dès 20h. À l'étranger, Mélina, c'est la stupeur aux États-Unis après le décès hier du riche homme d'affaires Jeffrey Epstein. Il a été retrouvé dans la cellule de sa prison new-yorkaise. Il s'agit apparemment d'un suicide. Il aurait déjà fait une précédente tentative, mais le gouvernement et le FBI ont lancé des enquêtes. Sa mort pose de graves questions, selon le ministre de la Justice. Ce milliardaire avait été arrêté début juillet et inculpé pour avoir été à la tête d'un vaste réseau de prostitution. Il aurait forcé des dizaines de jeunes filles, dont certaines n'étaient que des collégiennes, à avoir des rapports sexuels réguliers avec lui. Aujourd'hui, c'est jour de vote en Argentine. Les élections primaires, la première étape avant les présidentielles fin octobre, et deux particularités en Argentine. Le vote est obligatoire, et ce, dès l'âge de 16 ans. Les jeunes représentent près d'1 million d'électeurs, alors forcément, les candidats tentent de les séduire. Reportage de Flora Genoux. À la sortie de ce lycée, Natalia vient distribuer le programme de son candidat et installe la sono. Voici la chanson de campagne de ce petit parti d'extrême gauche qui surfe clairement sur les codes musicaux de la jeunesse. Notre candidat, c'est clairement celui de la jeunesse. Il a toujours accompagné les causes des jeunes, comme la légalisation de l'avortement, de la marijuana ou la défense de l'éducation publique. Mais Alan, 16 ans, a déjà fait son choix. Il votera pour le principal parti d'opposition de centre-gauche. C'est la première fois que je vote. Je suis content et ému à la fois, car je sens qu'on est face à un tournant en Argentine. Soit on continue à détruire le pays, soit on tente de sortir de la dette qui a été accumulée. Cet intérêt des adolescents pour la politique est une tendance ces dernières années en Argentine. Avec le vote dès l'âge de 16 ans, notamment une partie de la jeunesse s'est investie en politique, comme Maura, qui a commencé à militer dès l'âge de 12 ans, alors que personne dans sa famille n'est activement engagé dans un parti. C'est fondamental pour nous les jeunes de nous faire entendre. Nous sommes le présent et le futur du pays. Alors tous les ados ne partagent pas cet engouement. Aux dernières élections présidentielles, près de 60% des 16-18 ans s'étaient rendus aux urnes, contre 80% pour l'ensemble de la population. Ce sont pourtant ces très jeunes électeurs qui pourraient faire basculer le résultat cette année. Flora Genoux, la correspondante de RTL en Argentine. À Moscou, c'est la plus grosse manifestation jamais organisée depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012. Hier, pour le 4e week-end consécutif, 50 000 personnes se sont rassemblées pour réclamer des élections locales libres en septembre. Une cinquantaine d'entre elles ont été interpellées. Et puis, je vous le disais hier, Agnès, que pendant mes vacances, j'aimais bien buller sur la plage. Oui, la vie de Mélina. Et bien, figurez-vous qu'il y a autre chose que j'aime beaucoup faire aussi pendant mes vacances. C'est visiter des vignobles. Alors, évidemment, c'est culturel. Hein. Bien sûr. C'est d'un point de vue purement culturel. Avec modération, mais. Voilà, toujours. Et je ne suis pas la seule que ça intéresse, puisque les grands châteaux ouvrent de plus en plus leurs portes aux touristes. Par exemple, le château Guiraud à Sauterne, en Gironde. Denis Grandjou a eu la chance de déguster ce grand cru classé. À l'ombre des arbres centenaires, balayés par un vent tiède, juste devant la façade en pierre du château, Marie, œnologue et guide, explique l'histoire des lieux aux vacanciers. Tous les jours, on fait des visites en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Voilà, on s'adapte et on reçoit tout le monde, tous ceux qui veulent bien venir nous voir. Des visites loin du bruit des vagues et des parfums de Monoeil pour des épicuriens venus de tous les horizons. Clémence Planty est responsable communication du château Guiraud. Amateurs de vin, certes, mais pas que. Il y a également les curieux qui bravent les sentiers battus. Ils sont sûrement aussi en quête de comment fonctionne notre vignoble, puisqu'on est travaillé en agriculture biologique. Élise est en vacances dans la région de Sauterne, elle vient de Nantes. Ah oui, c'est très très beau, c'est super beau. Bah déjà, le coin, la région est très belle et la propriété est très,
très très belle. Bon, bonnes vacances. Merci beaucoup. Entre 60 et 80 000 vacanciers devraient visiter la région de Sauternes cet été jusqu'à la fin du mois de septembre. Un chiffre chaque année un peu plus important. Le reportage de Denis Grandjou pour RTL. Merci beaucoup Mélina et à tout à l'heure, 8h30. À tout à l'heure. Un été en France, c'est tout de suite.